Il est parti pour Saint-Cloud avec la cour. Oh, François, je suis perdue. Apaisez-vous, madame. Hier matin, l'écuyer m'a refusé l'absolution. Allez, madame Mathilde, cessez vos scandales et vous viendrez vous jeter aux pieds des ministres de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le roi a consulté l'évêque de Meaux, qui lui a dit que j'étais une grande pécheresse. Que l'Église ne pourrait m'absoudre tant que je ne me repentirai pas de la vie que je mène et que je fais mener au roi. Je suis perdue. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vous savez que ces curés ne vous aiment pas. Mais c'est la première fois que tous me refusent l'absolution. Jugez un peu du scandale si je ne peux faire mes Pâques. Je ne vous croyais pas à un scandale près. Ne faites pas la sotte. Ne comprenez-vous pas qu'il s'agit cette fois d'un complot? Savez-vous quel est le plan de tous ces prêtres? D'abord, il leur faut effrayer le roi. C'est un poltron. Il craint le diable. Ils lui ont fait comprendre que la prochaine fois, c'est à lui qu'ils refuseront l'absolution. Ils espèrent le contraindre à me chasser pour mettre à ma place Mademoiselle de Ludre, cette pintade à laquelle il fait les yeux doux. Et savez-vous pourquoi tous ces beaux prêcheurs veulent que cette fille prenne ma place? Parce qu'elle est chanoinesse. Je ne crois pas que l'Église trouverait le péché moins grand s'il était commis avec une chanoinesse. Alors l'adultère commis avec un abbé sanctifie sans doute. Qu'allez-vous imaginer là? Riez, riez, je vois clair dans leur jeu. Il me chassera quand même. Il ne veut pas être gêné. Il me chassera, j'en mourrai. Vous resterez la mère de ses enfants. Cela ne peut vous être